Salut les fous! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai posé le muffler sur le Delsol, un muffler double de SkyActiv. Ça a été super bien. C'est pas une grosse vidéo, mais on me voit quand même sacrer une couple de fois. Aussi, j'ai un beau PLM ici. Ça va faire en sorte que le muffler ben, va être quasiment beau tome. Si t'aimes le channel, abonne-toi. Lâche un pouce. Pas celui d'en bas. Si tu me regardes sur Facebook, les trois petits points ici à droite, ouvrir dans YouTube, tu lâches, je m'abonne, tu lâches un pouce, tu le partages partout avec tes amis. Un gros merci pour les 300 abonnés. C'est très apprécié. Il y en a qui ont 5000 abonnés, 1 million. Moi, juste 300, ça me satisfait. Écoute, je fais ça pour le fun, je fais ça pour le plaisir. J'essaie de mettre ça le fun à regarder. Alors, justement, on est rendu au moment où ce que vous me regardez sacré. Ah, je sais, il manque des studs, mais c'est parce que j'ai pas le temps de les enlever de la prochaine étape. C'est juste pour fitter, juste pour être sûr que tout fit, que je puisse mettre le header en haut. Je vais fixer au muffler. Ça fait une belle job. Pas de place ici, hein, pour un deux places, je trouve qu'il n'y a pas bien grand place dans les mains. Je ne sais pas comment c'est parti dans la pomme, mais tu sais, il y a quelqu'un qui veut me commander. C'est toutes des affaires de tout qu'on ne voit pas dans le film ou à l'interlap, on ne voit pas la box 12 qui a coulé en dessous du moteur. C'est pas grave. Tu m'entends encore. C'est pas d'avoir des assistants. Hein? Merci. Tada! Un beau PLM. Ouais. Okay, ça va aller en dessous. On va mettre ça pour le muffler. C'est parfait. Là, je regarde la caméra, mais je sais pas si je regarde. C'est pas une caméra, c'est un téléphone. On installe un headers PLM, parce qu'on ne dit pas souvent, il faut grinder un petit bout. Parce que sinon, ben, ça ne fit pas. Et voilà, juste pour dire qu'il y a un petit peu de place, si ça bouge un peu. Ça frotte pas. Petit défi, je ne sais pas si toutes les préludes ont ce problème-là avec les PLM. On voit que le odor sensor arrive directement avec la flange. Relie le beam du crossmember puis le beam en avant. Donc il va falloir soit faire de la place là-dessus, soit l'enlever. Le PLM est posé. Le muffler, le Mazda est en lignée. Oh, ça fit presque. Ça va être aligné directement avec le beau muffler. Voilà, ça va fitter super bien. 8 pouces et demi, malheureusement, j'ai essayé de tout mon cœur et de tout mon vouloir de pouvoir mettre un catalyseur, mais je pourrais pas en mettre malheureusement. C'est pas beau ça? Bolton! On soude! C'est tout! Un, deux, test! Tant qu'ils sont faits, on démonte ça, on saute ça à terre et on pose ça.
Juste un petit truc comme ça, quand tu as fini avec ta soudeuse, la première affaire que tu fais, tu fermes pas le courant. Tu fermes l'air. Le CO2. Comme ça, ça t'évite de l'oublier. Première étape, tu fermes le CO2, puis après, that's it. Comme ça, ben, ça t'évite d'oublier le CO2. C'est simple, puis ton boss va t'aimer. Et voilà. C'est le bumper, mais nulle part ça tape ni sur le frein, ni sur le body. Nulle part, tout est beau. C'est fait. Il va rester à faire la suite. Donc, c'est vous autres qui allez décider. Soit que j'enlève le moteur en avant, que je commence le compartiment moteur valise à l'avant. Soit que je fais le refroidissement, le Prestone, soit que je fais le filage, tout le système de filage pour le moteur, soit que je fais le shifter, soit que je fais ce qui vous tente, les gars. Si vous voulez me donner des idées, si vous me dites « Ah, ça serait le fun, je pourrais patenter ça, ça serait le fun, on pourrait voir. J'aurais le goût de voir ça, ça serait le fun. » C'est vous autres qui décidez, là. Lâche un message en bas, on va faire ça. Puis j'ai pas juste un projet d'Elsol en plus, j'ai un projet Accor, j'ai un projet d'Element. Fait que je vous invite à regarder aussi sur le channel mes vidéos que j'ai faites sur mon Accor. Une vidéo professionnelle va venir boucler la boucle pour mon projet, mon plus beau projet, mon projet le plus prestigieux, celui de Accor. Mon Daily, c'est mon Element avec des 22 pouces. Ah ouais, des 22 pouces! Fait que regardez ça, voir.